Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Aujourd'hui, nous sommes, sortis de notre cadre et nous nous retrouvons sur un entrepreneur dans le domaine du fer. Il est ferronnier de profession, mais il est aussi entrepreneur numérique. Et donc, ce matin, il s'agit de présenter un ami aujourd'hui qui est dans le domaine de la crypto-monnaie et qui a appris et qui va témoigner aussi, vous dire un peu ce que c'est que son expérience dans le domaine de la crypto-monnaie et le fait d'avoir suivi les formations que nous donnons. Et toute l'expérience qu'il a acquis aujourd'hui, l'indépendance au niveau de l'autonomie qu'il a aujourd'hui pour pouvoir faire tout ce qui est opération, transaction et tout ça, et tout ce qui est technologie dans la crypto-monnaie qu'il maîtrise aujourd'hui grâce à la formation. Alors, c'est pour dire à tout un chacun que tout le monde peut se former et s'en sortir. Et déjà, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, alors, activez les cloches de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos que nous allons lancer ici. Voilà. Et donc, ici, c'est la chaîne qui donne toujours les informations, mais qui donne aussi la motivation. Donc, ce matin, la vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo de formation en même temps de motivation. Et pourquoi? Parce que c'est la personne dont il est question ce matin, il s'appelle M. Kolo Yeo. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a appris sur le tas au départ, mais qui a compris qu'il fallait venir se former, et il s'est formé aujourd'hui, il est autonome. Ensuite, il n'est pas allé loin dans les études, ce n'est pas un étudiant, ce n'est pas un bureaucrate, c'est un citoyen lambda qui n'est même pas allé loin à l'école, mais qui aujourd'hui arrive à manipuler tout ce qui est technologique, crypto-monnaie, pour dire, dès que vous vous formez, vous revenez autonome. Et lui, même quelqu'un qui a un étudiant qui est à l'université, lui, il enseigne à ce étudiant comment acheter, comment faire certaines choses dans le monde de la crypto-monnaie. Toi, l'étudiant qui devait lui montrer, c'est pour dire que la crypto-monnaie, ce n'est pas une histoire d'apprendre des longues études ou bien quoi. Non, c'est une question de technique, de technologie, c'est tout. Voilà. Et donc, ce matin, nous allons échanger avec M. Yeo. Et donc, leader Yeo, voilà, pour que vraiment chacun d'entre vous comprenne que la formation est primordiale. Et donc, sans plus tarder, je vais faire appel à Yeo, et puis Yeo va venir, on va échanger, nous allons interagir avec lui. Donc, à tout à l'heure. Bonjour, Yeo, comment vous allez? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Ok. Vous êtes entrepreneur dans le domaine du fait, vous êtes ferronnier de profession. Comment vous êtes arrivé à la crypto-monnaie et aujourd'hui vous arrivez à faire tout ce qu'il faut dans la crypto-monnaie, vous arrivez à gagner de l'argent dedans, vous arrivez même à expliquer aux gens avec votre niveau d'études pas élevé. Expliquez-nous un peu votre expérience dans le domaine de la crypto-monnaie. D'accord, merci bien coach Loss pour cette interview. Je dirais que ça me fait plaisir déjà d'expliquer à l'état civil qui je suis. Je suis M. Yeo Kolo, oui. Qui n'a même pas eu à faire des études. Oui. Mais je me suis dit que même autant que je n'ai pas fait des études, oui, ce n'était pas un frein pour moi de réussir dans tous les domaines que je fais. C'est ça. Et pour cela, je me suis fait procurer des amis qui vont à l'école. Oui. Pour pouvoir mieux m'exprimer en français, oui, et savoir au moins quelques petites notions. Mmh, et c'est dans cela que je me suis lancé dans à courtoyer des amis étudiants. C'est et ça. Au fur et à mesure, oui, on s'est retrouvé dans d'autres business qui ont succombé après. Oui. Et pendant ce temps, j'ai fait, oui, la découverte de M. Loss, oui, le coach Loss. Oui. Et en ce moment, il m'a conseillé des crypto-monnaies. Oui. Et au départ, je dépendais de lui. Oui. Je me suis dit, mais je dépends de lui. Oui. Et si un jour, l'une de ses pièces devrait monter, oui, et qu'il est par exemple à l'étranger, oui, qu'est-ce que j'allais faire en ce moment? Oui. J'étais limité. Oui. Parce que tout
dépendait de M. Loss. Je me suis dit, bon, tiens, si on me dit qu'il y a l'argent sur Internet, il faut que je me donne du temps pour pouvoir maîtriser cet outil-là. Et c'est dans cette optique, j'ai commencé à pouvoir m'intéresser plus à ce qu'on appelle la crypto-monnaie pour mieux maîtriser. Je suis allé au départ doucement, avec l'aide de Dieu. Et selon ses explications, qui sont assez claires, ça m'a amené à pouvoir maîtriser l'outil informatique. Je dirais, derrière l'outil informatique, il n'y a plus de barrière pour moi. Malgré que je ne sais pas lire, ce n'est plus une barrière. Je donne même des formations à des étudiants. Tu arrives à faire maintenant toi-même, grâce à la formation que tu as reçue, tu arrives aujourd'hui à acheter, à vendre, tu arrives même à faire du staking, tu arrives même à faire du farming. Et donc, ça, tout ce que nous on peut dire en tant que quelqu'un qui a cru à la chose, ça n'a pas été facile. Il y a des jours où ça n'a pas été facile, je me rappelle bien, à l'apprentissage, ce n'était pas facile. Il y a des jours même tu voulais abandonner, je t'ai dit non. Tu vas continuer, tu vas tenir bon. Parce qu'un jour, tu seras libre de pouvoir faire les choses. Oui. Toi-même, tu vas découvrir même certaines crypto-monnaies que tu vas conseiller au coach Loss parce que tu as appris comment on fait. C'est vrai ou est-ce faux? C'est vrai. Voilà. Je dirais toujours, dans ce même optique, ça m'a amené à comprendre des portefeuilles comme Trust Wallet au départ. Aujourd'hui, je crée mon Trust Wallet moi-même, je le sécurise moi-même grâce à la formation. Merci. Tel que Binance. Je fais des trades sur Binance. Je paye mes crypto-monnaies. Je fais du staking. Que ce soit Binance, que ce soit Trust Wallet. Même d'autres plateformes même que j'ai découvert après. Et je fais du travail dessus. Et même moi, je fais des recherches. J'appelle Coach Loss. Je dis Loss, telle monnaie, est-ce que tu la connais? Il dit non. Je dis bon, ok. J'ai certains noms d'informations dessus. Mais pousse les informations pour voir est-ce que c'est vérifié et fiable. Et quand c'est fiable, chacun s'engage. Donc voilà comment j'ai commencé à plus interagir avec Loss. Aujourd'hui, je ne dépends pas de lui. Je paye des crypto-monnaies grâce à la formation. Donc ce que je peux conseiller sur sa chaîne aujourd'hui, il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de limitation pour dire je suis analphabète, je n'ai pas été à l'école, je ne peux pas. C'est toi qui te limites dans ta tête. Et non pas l'univers qui te limite. Et pendant ce temps, c'est seulement de se donner du temps et les outils nécessaires. Les outils nécessaires, c'est d'avoir un smartphone. Avoir au moins l'application WhatsApp. Et le reste, le coach Loss va vous conseiller. Parce que par moment, il faut avoir Internet pour pouvoir interagir avec le coach. Et selon les explications et des petites vidéos, vous arrivez à maîtriser l'outil parfaitement. Et lorsque vous avez payé votre formation et vous vous êtes formé, vous ne dépendra plus de coach Loss. Imaginez quand l'autre a au moins 1 million d'abonnés et qu'il doit toujours vérifier tous ses comptes, travailler pour vous. Cela ne sera pas possible. Mais si vous-même décidez de payer maintenant, d'apprendre vous-même, vous avez la liberté d'abord pour vous-même et vous pouvez former vos proches, que ce soit votre femme, que ce soit vos enfants. Parce que avant, nos parents nous laissaient des cours, des maisons comme héritage, des champs comme héritage. Mais aujourd'hui, nous allons laisser des emails avec des mots de passe et des sites comme héritage pour nos enfants. Avec des crypto-monnaies. Avec des crypto-monnaies à l'intérieur, bien garnies. Des vrais portefeuilles, des bien garnis. C'est ça. Les Shiba et les Baby Doge. Les Shiba, les Baby Doge.
vraiment les cakes. Et dis-nous, tu as payé des chibas et des baby doll pour notre fille. Claire, ça c'est net. J'ai payé des chibas, des baby doll. Voilà. Pas mal d'autres crypto-monnaies. C'est ça. Des saïtama. C'est ça. Plusieurs monnaies, on ne peut pas finir de les citer. Voilà. Elle a son petit compte qu'elle a. Voilà. Elle grandit elle-même avec son compte. Elle grandit avec son compte, doucement, doucement. Et ce compte-là, on ne le touche pas. C'est ça. C'est au frais. C'est clair. Voilà, c'est pour elle. Un jour, voilà, ses promotionnels seront étonnés, voilà, de voir cet enfant, oui, avec une grosse cylindrée. C'est ça. J'ai dit une grosse cylindrée. Oui. Le lance gros vert. Oui. La toux blanche, la oui, rage. Ouais. Et en ce moment, ils vont se poser, mais comment cette petite fille fait? Oui. C'est ça. Et pendant ce temps, oui, c'était préparé ici. Oui. Et c'est ce que je suis en train de faire. C'est et ça. Je continuerai à le faire. C'est ça. Parce que né pauvre, oui, n'est pas de ma faute. Oui. Mais mourir pauvre, ça, avec les outils qui sont là actuels aujourd'hui, oui, aujourd'hui, oui, ça c'est de ma faute. Ça, c'est de ta faute. Mais grâce à Dieu, oui, je pense que oui, ça ne serait pas une faute. C'est ça. Le temps oui, donnera la raison. C'est ça. Le temps, oui, parce que je sais, oui, le Shiba, oui, le Baby Doge, oui, le Saitama Inu, oui, et bien d'autres que tout. Oui. Je ne vais pas finir de l'esprit. Ce sont des avenirs en fait. C'est des avenirs. Oui. C'est de l'avenir. Ça change de vie. Ça change toujours. Oui. Le Shiba. Oui. Si j'étais au départ. En tout cas, si on était au départ. D'accord. Si on était au départ. C'est ça. Je ne serais plus en train de parler oui, ici dans cet atelier. Oui. Ça serait une industrie. C'est ça. Mais Dieu le fera. Dieu le fera. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais tard. Ouais. Dieu le fera oui, en quelles conditions oui. Pas parce que je suis resté couché sur mon lit. C'est ça. Mais parce que j'ai cru oui, en quelque chose. Oui. J'ai investi. Oui. Et je me suis fait former. Claire. Sans la formation, oui, tu ne pourras pas croiser les bons projets. C'est clair. Sans la formation, oui, on n'est rien. C'est clair. Mais avec la formation, oui, on peut aller très loin. Très très loin. Avant, oui, je faisais des ICO. Oui. Mais avec la formation, oui, je ne fais plus ICO. C'est ça. J'attends la monnaie oui, sur des plateformes. Oui. Il est listé. Je vais le récupérer. Et j'attends. C'est ça. Et toi, oui, qui refuses de te faire former. Il ne faut pas oublier les business d'investissement aussi. Parce qu'il y en a qui sont encore dessus. Oui, je dirais aussi les business d'investissement. Uh-huh. Attention. Uh-huh. Au départ, c'est bien beau. Uh-huh. Bien rose. Tu uh-huh, peux même gagner quelques petits dollars. Uh-huh. Mais au moment de récolter le véritable sou, uh-huh, ferme. Uh-huh. On te dit ça se camé. Uh-huh. Ou bien on te dit l'État a bloqué. Uh-huh. Mais ton portefeuille que tu as, oui, le temps ne pourra pas bloquer. Ça, c'est clair. C'est décentralisé, totalement. Parce que c'est décentralisé. C'est ça. Et si tu t'engages dans la formation, oui, tu vas découvrir les vraies plateformes. C'est ça. Tu vas découvrir les Shindia. C'est tu ça. Tu vas découvrir les Shibnobi. C'est ça. Et bien d'autres crypto-monnaies. Oui. C'est ça. Aujourd'hui, oui, je vais parler d'une crypto-monnaie qu'on appelle Wave. Oui. Nous l'avons vu les années antérieures. Oui. 2 ans plus tard, elle était à 5 dollars. Mm-hmm. N'ont pas pris le temps pour mieux étudier la pièce. Oui. Aujourd'hui, ce matin, là même, ce matin, on vient le voir, il est listé sur Binance. Il est listé sur Binance. Allez-y voir. Il est listé sur Binance. Et la valeur tourne entre 35 dollars à 45 dollars. Oui. On a vu ça, nous tous on est étonnés. Oh, ce matin, on a été choqués. Parce qu'on a vu au départ. Oui. Est-ce qu'il y a souvent, on n'étudiait pas tous ces projets? En ce moment, on n'avait pas le, on n'avait pas encore pris de l'avance, de lancer profondément dans les recherches. C'est ça.
Nous, nous avons été les premières victimes d'ANAC. Nous avons été des cobayes pour vous. Vous avez la chance aujourd'hui d'apprendre. Apprenez. Et ça va vous amener très loin. Nous irons très loin avec la crypto-monnaie. Je crois, j'ai une bénédiction que Dieu, le Créateur, nous a envoyée. Si tout nous, les peuples africains, tu restes dans ton pays, tu n'as pas besoin d'immigrer. Non. Et tu as des dollars de là-bas. Plus même que ceux qui sont plus là-bas. Même que ceux qui sont là-bas. Parce que le peu d'argent que tu économisais pour pouvoir partir, ce peu d'argent, quand tu l'investis dans la crypto-monnaie, tu vas crier waouh. Tu vas crier waouh. C'est ça. C'est pour vous dire, la crypto-monnaie, ce n'est pas du jeu. C'est ça. Ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est ça. D'autant quand on dit Shiba, on dit c'est chien. Mais si le chien peut m'apporter des milliards, je l'achète. Ou bien, les amis, si le chien m'apporte de l'argent, je la paye. C'est ça. Parce que ces petits chiens-là, si elle a pris de la valeur, je la revends. C'est tout. Je ne suis pas allé pour regarder vis-à-vis de quelqu'un, je suis allé chercher de l'argent. C'est tout. Donc, à vous, mes frères africains. Levons-nous. Et suivons la formation. Après la formation, viendra l'abondance. C'est ça, l'indépendance financière. Et cette indépendance viendra de celui qui s'est fait former. C'est clair. C'est clair. Ce qui m'a poussé à me faire former, je me rappelle, on avait payé une petite pièce qui n'était même pas grande. Un bon matin, en ce moment, voir 100 dollars là, c'était. Ah, on riait. Un bon matin, je me lève, je vois, on a 200 dollars. Le temps que je prends, mon engin, courir, rattraper Coach Loss, j'arrive. La pièce est descendue. Et à combien? À 99 dollars. Je ne pouvais plus la vendre. Parce que la vente en ce moment, c'était une bête. Et ça m'a amené à plus réfléchir. Et imagine qu'à 23h, à 1h du matin, je me lève, je vais aller sous la douche, je prends mon téléphone, je consulte mon compte. Et je vois une pièce qui fait 10 000 dollars. Je vais chercher à appeler Coach Lodge. Il dort, il est endormi profondément dans son sommeil. Parce qu'il a fait des recherches tardivement, il vient de se coucher. Le sommeil il a pris. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais prendre l'engin, risquer la nuit, aller chez lui, taper la porte, qu'il se réveille pour qu'on fasse la vente? Et si même c'est possible, si je sors de la route. Même si ce n'est pas descendu. Si je sors sur la route, je prends la voie, je m'en vais. Un bandit m'arrache le téléphone. Là où il y a toutes les informations, il est parti. J'aurais gagné quoi? Rien. Mais en ce moment, je peux faire une petite vente de 5 000 $ moi-même. Récupérer ça d'abord et attendre voir est-ce que la monnaie va continuer ou bien elle va chuter. Et au petit matin, on peut s'appeler, se donner des idées, des nouvelles stratégies et puis frapper fort. Voilà ce que je vous conseille. Merci. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse les crypto-monnaies. Et qu'il permet d'ici l'année prochaine, à l'heure que nous avons fait cette vidéo, dans le mois d'avril, le 4, qu'il permet d'ici là, une de nos cryptos frappe tellement, lorsque nous allons vouloir faire la vidéo, là on va pas s'asseoir dans l'atelier, mais on va s'arrêter. Et faire la vidéo, vous allez voir les voitures, les tests que nous allons arrêter par derrière. C'est clair. Que Dieu fasse cela. Amen. Et qu'il fasse cela dans la vie de tout un chacun qui a cru en la crypto-monnaie et qui a son espoir dans la crypto en sachant que c'est Dieu qui ouvre le robinet. C'est ça. Et il ouvre le robinet dans nos différents. Amen.
Amen. Amen. Voilà, je suis de retour. Vous avez entendu l'échange avec le leader Yo. Voilà, donc il vous a parlé avec le cœur. Voilà, il faut comprendre que voilà, la crypto-monnaie, c'est ouvert à tous. Mais lorsque vous avez la formation, vous avez l'indépendance de pouvoir vaquer à vos occupations, être assis dans un taxi en train de manipuler, vendre, acheter, faire ce que tu as envie de faire, faire ton staking, ton farming, tout ce que tu as envie de faire, tu as l'opportunité de le faire. Aujourd'hui, on parle de métavers. Bon, lui, maintenant, c'est le métavers qu'il est en train d'apprendre actuellement. Pendant que toi, tu es encore même en train de lutter même sur à faire des staking, farming là-bas. Lui, il est en train d'apprendre métavers, il est en train d'apprendre tous ces trucs. Demain, quand il va venir créer ses NFT lui-même, il est venu vous présenter pour dire qu'il a créé des NFT. Il a imaginé à partir de son travail, de son outil de travail ici. Il a créé des NFT à partir de son lieu de travail. Imaginer des trucs, des conceptions. Parce que vous voyez les différents métaux qui sont derrière, les portes qui sont derrière. Eux-mêmes, ils imaginent. Ils peuvent créer des NFT à partir de ça. Et ça peut donner quelque chose. Donc, tout ça, c'est l'imagination. Il faut pousser l'imagination. Donc, quand il parle, ne regardez pas le français qui est distillé, mais regardez l'expérience qui est derrière tout ceci. Toi, tu connais gros français, tu es assis à l'université, tu es professeur d'université, mais tu ne sais même pas c'est quoi crypto-monnaie. Lui, il est assis ici, il fait son argent tous les jours, il avance tous les jours, il a ses prévisions qu'il a mis en place. Même sa fille de 2 ans, 3 ans, elle a déjà son portefeuille numérique qui est garni déjà. Vous voyez, vous restez dans l'ancien système et vous pensez que voilà, tout se limite là. Oh, les choses vont au-delà de ça. Donc, seule la formation, ça libère. Comme je le dis toujours, l'enseignement, c'est-à-dire que comprenez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et lorsque les opportunités se présentent devant vous, vous devez les saisir avant qu'elles ne deviennent évidentes aux yeux de tous. Ces opportunités, c'est ce qui est là aujourd'hui. Toi qui doutais de toi pour dire, ah, je ne suis pas allé loin dans les études, est-ce qu'à faire des crypto-monnaies, je peux maîtriser? Tu peux maîtriser. Dernièrement, on m'a relaté quelque chose encore. Quand je parle de très soigné, toujours la sécurisation et tous ces trucs. Encore, on m'a parlé de quelqu'un qui a payé une pièce pour c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui lui a fait confiance. Ah, comme tu vends les crypto-monnaies, il faut ouvrir mon compte. Et puis bon, tu mets les pièces dedans. Voilà. Il a mis les pièces dedans. Mais en vérité, lui-même après, il vient vider les pièces de la personne. Si elle avait la formation qu'elle-même, elle a ouvert son compte. Est-ce que quelqu'un peut venir en arrière, aller 12 mois pour venir prendre? Vous voyez un peu tout ça. Tout ça, ce sont des risques parce que tu ne sais pas faire toi-même. Si tu sais ouvrir ton compte toi-même, tu peux faire des choses. Mais c'est quelqu'un d'autre qui fait pour toi. Quelle est la crédibilité de cette personne qui est derrière? Quelle est sa crédibilité? Hein? Il peut rentrer dans ton compte comme il veut. C'est comme si tu as ouvert tu as ta maison et puis tu donnes la clé à quelqu'un. Il peut rentrer dedans quand il veut, quand il veut pas. Donc, tout est une question, hein, qui est liée à la formation. La formation te met dans ton intimité personnelle et de pouvoir évoluer. Et tu as à côté même des gens, ils sont en train de parler des ballons. Toi, tu es assis là. Tu parles à eux, mais tu sais que tu as mis tes pièces côté crypto-monnaie. Tu as positionné tes Shiba, tes Baby Doll, tes Arriva. Toutes ces pièces-là, tes racas, tout ça, tu les as positionnées. Puis toi, tu es là, tu causes à eux. Un matin, c'est qu'est-ce que tu viens garer pendant qu'ils sont en train de boire l'été. Tu dis, mais tu as une caisse là, où, c'est ma caisse. Comment ça? Oui, mais c'est grâce à crypto-monnaie que je parlais. Vous étiez en train de vous moquer de moi là. C'est ça qui m'a donné ça. Et c'est là, ils ont de l'argent couché dans les banques. Ils vont aller prendre ça pour venir. Ça ne va rien faire. Parce que c'est devenu trop cher pour eux. Parce qu'ils n'ont pas saisi l'opportunité avant que ça devienne évident. Parce que là, ça devient très évident. Tu ne peux pas profiter lorsque c'est évident. Ça veut dire que c'est devenu trop cher. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur cette petite vidéo de motivation, de formation. Voilà, pour dire que cette chaîne-là, elle est toujours spéciale. Elle courtoie les gens au quotidien pour dire, si lui, Monsieur Yo a pu le faire, ça veut dire que toi, tu peux le faire aussi. Voilà ce que tu dois comprendre à travers cela. Donc, pour tout ce qui est formation en ligne, alors, le numéro est dans la description. Vous pouvez entrer en contact avec moi, le numéro WhatsApp pour pouvoir prendre vos différentes formations. Pour la formation, la troisième édition au niveau d'Abidjan, c'est prévu pour le mois de mai. Alors, vous devez rentrer en contact avec le leader Elisabeth, le leader Bill et le leader Georgette. Je salue le leader Bill au passage qui a fait un séjour, bref, à Boaké ici. Voilà, ça nous a permis de communier davantage.
salue toute la famille là-bas. Pour la formation au niveau de Ouagadougou, la troisième édition, voilà, c'est toujours prévu pour ce mois d'avril, si rien ne change. Voilà, si nous n'avons pas atteint les objectifs, on va devoir reporter, voilà, jusqu'à ce que nous soyons vraiment aptes à pouvoir nous déplacer pour aller faire la formation. Maintenant, pour la formation au niveau de la RDC, c'est toujours avec le grand leader Faustin que vous allez interagir pour vos différentes inscriptions au niveau du Congo. Pour la formation au niveau du Togo, c'est toujours avec le grand leader Abraham que vous allez interagir. La formation au niveau du Sénégal, c'est le grand leader Mahama avec lequel vous allez interagir. Et la formation au niveau de la Côte d'Ivoire, du côté de la Côtière, c'est toujours avec le grand leader Tébi Joseph que vous allez interagir pour vos différentes inscriptions dans la zone. À Daoukro, nous avons le leader Yaya qui va interagir avec vous. Au niveau du Grand Nord, c'est toujours avec le grand leader Djedje que vous allez interagir. Et au niveau du Grand Ouest, c'est toujours avec le leader charismatique, Nyawa. Joachim avec lequel vous devez interagir pour vos différentes inscriptions afin que chacun puisse être autonome. Voilà, pour la formation au niveau d'Abengou, c'est toujours avec le grand leader Yapi que vous devez interagir pour vos différentes formations. Voilà, je pense avoir fait le tour de tout le monde. À Ouagadougou, comme je l'ai dit toujours, c'est toujours avec le grand leader Dieudonné, voilà, que vous devez interagir pour la troisième édition. Voilà, dès que c'est OK, nous serons là-bas. Voilà, la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. À la prochaine.